Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de HIIT. Alors je vous ai concocté 10 exercices où on travaillera sur 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. D'accord ? On va commencer avec un petit échauffement rapide et ensuite on va attaquer tout de suite le HIIT et on finira par un petit étirement tranquille. Donc là je commence tranquillement avec les épaules. Squat, ici, les genoux, bien dans l'axe, je descends et je remonte. Je pousse bien, les fesses en arrière, je descends. Alors, on est parti pour 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 2 tours, donc 20 minutes d'exercice complet. On se met en place. 10 secondes pour préparer. 40 secondes de bonheur, 20 secondes de repos. Allez. Ok. La chaise, j'oublie de vous dire, à la maison, si vous avez une chaise, vous en avez besoin. Une chaise, je vous dis pendant le repos. Au prochain exercice. Pour l'instant, c'est nous la chaise.
Allez, on tient. On va tendu, on reste en chaise. Avec des petites flexions. On peut même rester avec les jambes collées. Ou les jambes décollées. Et là, on tient. Pendant 40 secondes. Bras tendu. Voilà. Alors moi, j'ai pas de chaise, je vais prendre la banque. Vous devez prendre la banque. Je prends mon petit banc. Je monte, je redescends. Vous avez une marche à la maison, vous pouvez l'utiliser. Vous soufflez bien votre genou, on inspire votre descente. On va souffler monter. On va souffler monter. Prochain exercice, squat. Le squat. Le coucher debout, il n'y a pas de soucis, c'est pas un verbier. Je me couche et je me relève. Je descends, j'inspire, je me relève, j'expire. Allez, ouais, couché. Debout. S'il vous plaît. Prochain exercice, on va sur le tapis. Ce sera du gainage. Le gainage sur les coudes. Et on tient. Alors les fesses pas trop hautes. Tout le corps est proche du sol. Mais essayez de ne pas donner trop au niveau des lombaires. On va passer sur punch. Passons le dos. Allez.
genou sur la taille. On souffle en haut en aspirant. On pose. Prochain exercice. Garde le dos droit. Ah, ok. Pour finir, montée de genou. Allez, en place. On souffle bien chaque fois qu'on monte les genoux sur la montée de genou. Les bras et les jambes. Allez. Allez. Place.
Bien les fesses en arrière, le dos droit, les genoux pas à l'intérieur, comme c'est déjà. Ok. Couché debout. Donc comme je vous ai dit, c'est pas interprise. Il n'y a pas de saut. Ni pour atterrir, ni pour se relever. Je fais pas cette fois-ci le gainage. Allez. Le dos droit. Les fesses bien alignées avec le dos. Ou un peu rentrer à la taille. Allez,
Les pieds joints, expire en haut, inspire en bas. Ok. Passera au fond. Debout. Allez, plus deux exercices. Le fente. Allez. Un peu le niveau des mains. Super. Alors, ceux qui veulent d'ores et déjà faire un troisième tour, un quatrième tour, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour la mettre au début et continuer. Les autres, on passera tranquillement sur le tapis. On pourra commencer assis. Voilà. Et on va venir tout simplement prendre ses pieds comme ceci. On va tirer. Passer une jambe par-dessus l'autre et venir tirer.
Donc ça pareil à la maison, si vous voulez le faire plusieurs fois, n'hésitez pas. L'étirement, c'est propre à chacun. On relâche dans l'autre jambe. Et on vient faire pareil. On relâche. On va venir poser les deux. Prendre deux pieds. L'une collée à l'autre. Et on va essayer de tirer. Et d'écarter les genoux de chaque côté. Genou droit vers la droite et genou gauche vers la gauche. On va étirer un peu l'intérieur de la cuisse. On revient tranquillement. Ne revenez pas d'un coup sec, ça ne sert à rien, c'est dangereux. Ça peut faire mal. On revient comme ceci. Ok. On va venir ramener une jambe devant et tirer encore une fois. Et on vient relâcher, on passe debout. On va venir étirer la cuisse en ramenant le talon derrière. On relâche, on vient faire pareil avec l'autre jambe. On relâche, on vient tendre les bras. Et on va relâcher tout ceci. On va venir en bas. On remonte, on inspire, on baisse les épaules, on expire. On relâche tout. Et on revient. On expire, on expire.